ouvert qui ont des problèmes. Ceci n'est pas une demande mais un besoin pour que l'espoir revienne. L'homme organise sa destruction. Analysons la situation pour que vous puissiez comprendre ma vision. Un trou dans la couche d'ozone. Cela devient banal de parler d'ozone, mais sans elle personne n'est autonome. Car l'ozone nous protège du soleil. Et sans un radical changement dans les comportements, ni la prévention ni les conseils ne stopperont cette catastrophe naturelle. Naturelle, naturellement pas. Car les victimes sont les fautives cette fois. Comment survivre dans un monde contrôlé par l'économie, où les problèmes écologiques sont délaissés, préférant le profit. Comment ne pas respecter la nature, sachant que si l'air est pur, il peut y avoir un futur. Mais déjà Mexico, Tokyo, New York agonise. Et bientôt toute la planète sera compromise. Prenez conscience, pensez à la prochaine génération. Le futur de la planète dépend de notre éducation. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elle va en accord avec les essais nucléaires. Non. Raser les forêts entières en ayant pris conscience que l'oxygène que l'on respire vient de l'arbre qui pousse dans la terre. Pourquoi les grandes puissances ne versent-elles pas une ronde pour les pays aux ressources vitales économiquement au plus bas? Pourquoi l'armée continue ses essais nucléaires? Plus on le sait, tout vit dans les fonds des mers. D'abord un trou dans l'atmosphère, plus l'on respecte de l'environnement par les puissances qui détiennent le monopole de l'argent. L'industrie mondiale est coupable de l'usine nucléaire de Tchernobyl à la constante disparition de la mer d'Aral, de la forêt, de l'Amazonie. Alors putain d'économie qui régit la vie dans le pays. D'espèces animales et le but de ces conneries. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elle va en accord avec les essais nucléaires. Non. Elle va en accord avec la pollution des mers. Non. Appréciez-vous tous les déchets dans l'atmosphère. Non. Sauvons la terre, sauvons la terre. Je crois en l'homme et l'homme de croire en sa planète. Yeah. La nature c'est la vie n'est pas une conquête. Non. Le progrès n'est pas contrôlé, voilà pourquoi bientôt les chèques sur la planète, sur la planète, sur la planète. En guise de conclusion,